du vin nouveau dans toutes les cuves. Oui, il y a du vin nouveau qui a déjà fermenté, qui a moins fermenté. Et puis, deux jours ou trois jours, ils sont encore en mou, vous voyez. Voilà. Voilà, le vin nouveau. Cette année, on avait une belle année, en quantité et qualité. Et les vantages tardifs, si on les laisse là ou de dehors, ça va aussi. Sans faire. Voilà. Près de 60 jeunes gens de Wettolsheim partirent pour la guerre d'Algérie. Jean-Paul Schaffhauser était de cela. Aujourd'hui, il nous a reçus dans sa cave pour le vin nouveau. Et il se souvient. Vous voyez ça? C'était le centre d'instruction où j'ai fait mes classes comme grenadier voltigeur, fusillé. Vous voyez, fusillé à Verdun. Et après, on a été muté. Dans, voilà la carte des états-majors, dans le nord constantinois, petite Kabylie, entre Bougy et Kolo, dans le secteur de Tijeli. Oui, c'est bien. Vous voyez, là, il y a la carte de la petite Kabylie. Qui se situe entre Bougie, Constantine, vous voyez, Tichel, c'est Sétif. Et puis là, vous voyez, il y a des photos que là, c'était, vous voyez, dans le bled, on se repose. Là, on a juste en train de cuire, de plumer, de poules qu'on a récupérées dans un bled. Vous voyez, là, on est, le commando est au repos. Vous voyez, il y a encore un peu qui a blessé des mains. Mais après, les rebelles avaient coupé la route nationale qui relie Vertexena par des tranchées de 4-5 mètres, au moins 6 ou 7 fois, vous voyez, pour qu'ils soient maîtres. Kherson, ils étaient tranquilles derrière, dans les grandes forêts. Et après, on a dû reconquérir tous ces trucs-là. Une fois, en OP, on était 4-5 jours dehors, et puis il y avait une grande OP. Et cette nuit-là, on marchait, mais avec maître chien, avec un berger allemand qui avait du plotosinophile de la coupe. Il marchait devant, et moi j'étais en 3-4e position. On marchait vers 3 heures, après plusieurs marches. Heure de marche, on marchait vers 3 heures, on arrivait à un col où les pistes et les sentiers se rejoignaient. Et tout à coup, le maître chien, ça chante encore toute ma vie, le maître chien dit « Attention, il y a quelque chose, le chien n'avance plus. » Il les a sentis et on a juste le temps de sauter du sentier et les rafales de mitrailleuses allemandes et les grenades étaient tous dirigées sur le sentier. Et malheureusement, notre chef de section, le maître chien et le berger allemand sont restés sous mort. Il a encore chimie et tout ça. Et après, on attendait le lever du jour, la lumière, la clarté, pour que l'hélicoptère puisse chercher les morts et les blessés. Le lendemain, notre capitaine a dit, comme on n'a plus de chef de section, vous marcherez en 2e position. Mais c'est alors que une autre section a été, et puis vers 9h30, dans ces forêts-là, vous voyez de chêne-liège, et repelote de nouveau une embuscade. Et de nouveau quelques gens de chez nous qui ont été tués et blessés. Je me souviens du Jura qui a été blessé au menton. Il fait partie des gueules cassées
et tout ça. Et encore un chef de section a été aussi laissé sur place. Mais naturellement, les rebelles, ils ont aussi, il y en avait aussi quelques-uns qui étaient morts au combat. Mais ça m'étonnait, ils avaient des pantalons de treillis fraîchement repassés et propres, tandis que nos pantalons, vous savez, avec les pantalons ne suivaient pas. C'est juste les vestes camouflées, mais les pantalons étaient parfois en lambeaux chez nous. Et bien, c'est comme ça. Hein? Et puis voilà, ça c'est une anecdote que j'ai vécue, vous voyez. Et enfin, à part parmi tant d'autres, voilà. Quand on avait des accrochages, on avait toujours l'appui de deux avions avec une hélice, les T-6, qui sont des anciens avions de guerre de l'Américain. Et ceux-là, il avait les roquettes et l'autre, il avait les mitrailleuses. Et là, mais ce jour-là, on avait les Vampires, qui sont des avions à réaction, mais vous savez, deux avions à réaction, un qui descend et l'autre qui monte et qui pique sur les rebelles, ça fait un tapage, hein, vous voyez. Après, ils se sont évanouis dans la nature. Voilà. Lors des manifestations patriotiques organisées par la commune, Jean-Paul Schaffhauser assure depuis longtemps la conduite des cérémonies. Ah, salut. Allez. Salut. Allez. Salut Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Voilà. Ça va en forme? Oui, 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 comme toujours. Voilà. Ensemble, garde à vous. Apprenti marin. Un, deux. On est rassemblés aujourd'hui pour fêter l'armistice de la Grande Guerre. Ça fait 98 ans qu'il y a eu l'armistice signé à Redonde. Et on pense à tous nos morts, aux millions de morts de la Première Guerre mondiale et la Deuxième. En plus, nous pensons parce que aux morts d'Algérie, les 30 000, parce qu'on est tous de cette génération. Après, on pense aux OPEC. Et aux attentats, à ceux qui ont été tués dans les attentats, des innocents. Vous voyez, nous, on était militaires, enfin, du côté champ, vous savez, on n'était pas tous des professionnels, mais on a fait notre service. Repos. Thank you.
En plus, je veux vous dire une chose. On parle toujours des combattants, mais on oublie souvent les mères de ces combattants. Parce que chaque mère pleure, si c'est une Allemande ou n'importe quel pays, chaque mère pleure pour son fils qui est tombé. Mais n'oubliez pas ça.